nous avons signé un accord avec le patronat sur l'assurance chômage qui apporte des droits aux salariés et qui demande quelques efforts ici ou là. Nous considérons que cet accord est équilibré. Donc on ne va pas le renégocier. Quand on signe un texte, on ne va pas renégocier. On n'a pas de tuteur en la matière. Donc vous estimez que c'est un bon accord, vous? Un accord équilibré. Si j'avais estimé qu'il n'était pas bon, on ne l'aurait pas signé. On n'est pas maso. Bon. Donc à partir de là, le gouvernement, lui, il doit agréer ou ne pas agréer l'accord. S'il agrée l'accord, eh ben, ça veut dire que l'accord s'appliquera. Après, il faudra régler des problèmes autres sur la culture. S'il ne l'agrée pas, eh ben, le bébé lui revient. C'est prévu comme ça. Ça veut dire qu'il ne reprend pas simplement les deux annexes en question, il reprend l'intégralité du dossier et c'est lui qui règle. Mais ce ne sera pas les interlocuteurs sociaux. Parce que chaque année, le déficit, c'est le quart du déficit de l'assurance chômage. C'est hier Didier Migaud qui le disait. Qui doit payer alors pour la culture? L'assurance chômage ou qui? L'assurance chômage, ça n'est pas que les annexes 8 et 10. Je rappelle qu'il y a 2 700 000 chômeurs indemnisés et à peu près 95 000 intermittents indemnisés. Sur l'aspect des intermittents, le problème, il est où? Le problème, il est sur une réduction des budgets de la culture. Moi, j'étais dans la Creuse, par exemple, la semaine dernière. Le budget du Conseil général de la Creuse en matière culturelle passe en 2 ans de 185 000 € à 0. Résultat des courses, eh ben, il y a moins d'aide, etc. Donc les intermittents, ceux qui sont concernés, ont moins de contrats, donc ils ont des problèmes. Mais c'est pas l'assurance chômage de régler ça. C'est Madame Filippetti, le ministre du budget, le Premier ministre. Alors justement, qui doit régler la crise des intermittents? François Rebsamen, c'est-à-dire le travail et l'emploi, ou Aurélie Filippetti, la culture? Vous voyez bien, ça concerne plusieurs ministres. Aurélie Filippetti, François Rebsamen, Michel Sapin en tant que celui qui tient les cordons de la bourse. Donc par définition, ça revêt un caractère interministériel et le Premier ministre est concerné par définition. Alors si le gouvernement signe l'agrément dans les jours qui viennent, les intermittents vont durcir. Oui, mais il y a deux discussions à avoir. Il y a à la fois une discussion, et ça c'est pas notre responsabilité, sur le budget global de la culture, comment favoriser les emplois et l'activité dans le domaine culturel, et après ça du côté des employeurs il y a un tri à faire également. Il y a des gens qui dans certaines grandes entreprises, dans les services communication, sont en situation d'intermittence. Bah, ils devraient être en contrat durant indéterminé. Comme Didier Migaud, il y a des fraudes et des abus. Oui, mais quand vous dites qu'il faut un tri. Oui, oui, non, mais quand j'ai un tri, mais ça, la responsabilité, elle est des employeurs. Vous savez, il y a beaucoup de salariés qui, plutôt qu'être en intermittence dans ces sociétés, ce ne sont pas des artistes ou des techniciens, devraient être en CDI. Ce matin, vous dites dans l'opinion, revenir sur l'accord Unédic serait la fin du paritarisme. Oui. C'est-à-dire que vous prenez au sérieux le MEDEF qui menace de s'en aller s'il y a rupture de l'accord et que le gouvernement ne doit donc pas céder, ce que vous dites. Ah bah, c'est une négociation très difficile et je dis bien, le patronat le confirme. C'est pas agré ou pas agré, lui dit si le gouvernement n'agrée pas, nous quittons l'Unédic. Ça veut dire que c'est la fin du système paritaire d'assurance chômage. Nous, on préfère, sur des questions comme ça, régler par la négociation avec le patronat que tout filer ou au privé ou à l'État.